Bravo Igor, ta fête est très réussie. Dommage que Fred ne soit pas là. Mais il a reçu un appel de Fonzi qui le demandait sur Ragnablock pour une surprise. J'aimerais bien voir ce qu'il est en train de faire. Coucou à vous, alors. Ils veulent tous se muter, ils me veulent pas, ils me veulent pas. Va se muter. Ah. Moi je me mute pas. Alors il y a des blocs violets et noirs. C'est les blocs de redstone, j'ai un pack de textures qu'on m'a fait installer, qu'on m'a obligé à installer sous la menace. Oh. Un premier cadeau. Ah, je vois l'inventaire. Hein. Le Joker en bannière. Oh, c'est sympa. Joker en bannière. C'est sympa. Je suis au fond de ta grotte. Ah, au fond de ma... Oh putain, j'ai deux chats qui me suivent. Ah non, ils sont attachés, c'est bon. Au fond, vers les poules? Non, oui. Pardon. Le mec, il se grille pas. Tu sais. Non, oui, non. Bonne Saint-Valentin. Coucou. Oh putain. Elle est sexy, hein. Ah ouais. Oh. Je vois la réunification des deux Laolès. Oh. Oh, ça va finir en ellipse. Ça va finir en ellipse. Ça parle mal. Bah, où faut aller après? Il y en a deux dehors. Une première qui est de moi et la deuxième de Fonzi. Ça, c'est mes deux minous. C'est les deux à toi, parce qu'il y a une chance qu'il y en ait un qui soit à moi, mais non, c'est deux à toi. Ouais, il est tombé à moi. Oh, des citrouilles. Je vais essayer de faire vivre Tiamotti 5, mais bon. Pourquoi il est mort? Il y a un autre Tiamotti qui est mort? Bah, il est pas à l'intérieur. Ah merde. Ouais, bah, c'est pas grave, hein, Tiamotti. Ah, des citrouilles. Je suis barré par les citrouilles. Oui, il y en a une deuxième. C'est marrant. Hein? Il y en a une deuxième, là, de... avec la le truc. Et c'est là que je vais me mute. Par là, en haut. Ah. Une porte, c'est là qu'il y a un gros piège derrière la porte et que je tombe dans la lave. Un CD. Play me. Waouh, super ça. Ah, Jigsaw, c'est moi. Attends. Fonzi, ça s'est pas ouvert, je fais le système D. Quel beau visage. Depuis que tu es sur le serveur, Timothy est prisonnier des murs que tu as construits autour de lui. Aujourd'hui, c'est toi qui es enfermé. Auras-tu le courage de sacrifier Timothy pour sauver ta liberté qu'il n'a jamais eue? Ah ben moi je sacrifie tout le monde, moi. Désolé, Tiamotti, mais... Red, viens, on se casse, il va nous sacrifier. Je sors de quel côté? Bah, où tu veux. Pas d'importance, je monte. Désolé, Tiamotti.
C'est pour la bonne cause. Le meurtrier. Dani. Non, en plus, je suis tout nu. Veux-tu jouer à un jeu? Oh, il y a un clou qui vient de tomber dans. Un clou qui vient de tomber. Oh là, j'ai des gros lags. Hop. On va monter en. Par hasard, choisis le seul côté où il y a de la terre. C'est bien parce qu'on lui ouvre la porte alors qu'il va nous tuer. Mec. C'est pas moi. Je vais m'enfuir, moi. Je me casse, hein. Il me fait très peur, là. Il a tué Tiamotti, moi, je me casse. Oh, ma raide. Désolé, oh. Comme ça. Je me doutais que ça allait te plaire. Ah bah, ça, c'est sûr, raide, on la tue pas, hein. Non. Mais toi, par contre... Non, évite. Non. Me fais pas ça. Oh, puis les deux, quoi. Une avec l'épée, l'autre avec la... Ah, ah, attends, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Oh, le rage qui... Pas du tout. Non, pas du tout. Après. Pas du tout. Aïeux, aïeux, aïeux. Bah, merci. Merci, les gars. Et bah, voilà, Red Angel, tu vas mourir. Et ma petite Red. Ils se sont assis devant toi, les chiens. T'es toujours en rec, là, Fred, ou pas? Ouais, je suis toujours en rec, ouais. Viens me voir dans ta grotte. Il y a un truc, je crois, qui a changé. Oh, Tiamotti, il est là. Voilà, et maintenant, tu enfermes les deux amoureux. J'ai sacrifié un sosie. Ah oui. Ah oui, Tiamotti. Ah oui. Ah non, mais refermé, on n'avait pas fini, ah, merde. D'accord. Excuse-nous. Pas de problème. En plus, il y a un orage dehors, quoi. Même on repassera plus tard. Oh, bon, j'ai du lag. J'ai du lag. J'ai du méchant lag. Bon, bah voilà. Hein. Vivement que je retrouve mon autre PC. Début de la semaine prochaine, mon autre PC. Tu... Bah, merci. Merci à vous, c'est super sympa. De rien. Essayer de sortir Tiamotti de là quand même. Hein. Ouais. Tiens, va le rejoindre, Red. Donc, les amis, on se retrouve plus tard. A tout de suite, les amis. Bonjour. Hello. Bonjour. À vous. Comment vas-tu aujourd'hui, YouTube? Où es-tu, tu mon Danny? Tu as passé une bonne journée, YouTube? Tu as passé une bonne journée. Il me veut du mal. Vous entendez derrière moi la musique de Halloween? Viens, mon petit ami. Ouais, bon, moi, ça pareil. Moi, c'est du Hello Kitty, donc... Non, je déconne. Oh ah, hello Kitty. Moi, c'est Avicii, donc ça bouge un peu plus que Halloween, je pense. En fait, vous aurez remarqué que j'ai un nouveau pack de textures. Donc, c'est le Festfou là, qui a été rangé. Donc, j'ai juste les musiques pour le moment. Il faut que je fasse les tableaux qui vont être rangés façon horreur. N'est-ce pas? Donc, voilà, ça rend le jeu plus lisse. Hein. C'est juste le Festfou. Oh, il a les Festfou. J'ai les Festfou. Donc, eh bien, j'espère que vous allez bien. Comment vas-tu, mon petit Danny? Ça va. Alors, moi, je peux passer des chansons, n'importe quelle chanson, dans mon jukebox parce que moi, chez moi, c'est complètement gratuit. Et qu'on a le droit d'utiliser les.
Les chansons, quand c'est gratuit, quand on ne fait pas monétiser. On n'a pas le droit de faire payer un bien qui ne nous appartient pas, voilà. Donc je peux vous passer les chansons comme ceci, c'est délicieux. Pendant qu'on regarde Denis, Dany travailler. Donc ici, on va faire une cuisine. Et au passage, un grand, grand, grand merci à vous, car nous sommes 200 sur la chaîne, Dany, on est 200. Pendant que je regarde tes fesses. Oh, j'ai plus d'argile durcie, hein. Il faut que je le durcisse. Y en a en haut, il me semble, non? Non, il y en a là, il y en a 3. Argile durcie noire, c'est bon, j'en ai 15, ça suffira. Ah oui, putain, ça fait du bien sur la musique. Hein? Ça fait du bien quoi? Sans la musique? Voilà, un peu de métal pour moi. Bad to the bone, Running Wild. Écoutez, Il me faut de la brique du Nether. Oh, j'en ai en haut. Donc on va s'écouter Bad to the Bone. Du métal, de la dissidence. Et du sexe aussi. Et du sexe, ouais. Beaucoup de sexe. Oh, énormément de sexe. Ouais. Je gêne plus, quoi. Du porno. Énormément de porno. Mmh. Il t'en faut beaucoup de briques du Nether? Pas mal, ouais. Ramène-moi un petit stack. Merde, j'en ai que 36. Ah ah. Ça va être problématique. Attends. Je vais voir si j'en ai pas dans la grotte. T'es pété, nègueux. Il est dégueulasse. Il est complètement dégueulasse. Il est complètement dissident, le Laolès. Le Laolès est un cochon. Ouais. Donc mon pack de textures s'appelle le Laolès Pack, la dissidence des bots. J'aime bien ce titre. Pourquoi la dissidence des bots? Je sais pas, c'est Arion qui me l'a mis. Et je suis tombé pendant que je lagouille un petit peu. J'ai des coups de lag. Je dois être à moins de FPS, non? 23, 19 FPS, 28. Ouais. M'étonne que je lague. Le minimum pour pas laguer, c'est 30. Hein. Donc, tomber en dessous de 30, c'est... Les petits arrêts de jeu commencent. Non, j'ai déjà été voir ici. J'ai des dalles. Non, il a la dalle. Mais les blocs... C'était là que je voulais aller voir. Argile durcie. Je vais dans la grotte. On n'entendra plus la musique, mais bon, si. Peut-être si, ouais. Si, tu entendras encore. Sinon, après, il faudra que j'aille t'en chercher dans le Nether. J'irai un petit peu entamer. Sacré coup de lag aussi. Hein. Ouais, donc ça vient pas de moi alors. Monsieur OMG, qu'est-ce que vous faites, monsieur OMG? Oh mon god. Ouais, sinon j'ai de la netherrack normale, mais la faire cuire, ça prendrait trop de temps, donc je vais aller dans le nether. Prendre directement dans la forteresse, non? Oh bah... Non, t'en avais pas des coffres ou des conneries comme ça, hein? Non, j'ai de la netherrack, mais non. Ah, peut-être dehors, attends. Les coffres qui sont dehors, là. Ouais, regarde bien, on sait jamais. Un peu chier d'aller dans le Nether, sachant en plus c'est censé être un épisode débat et qu'on débat toujours pas. Non, j'en ai pas dehors.
Bah, on peut débattre. On peut débattre, bien que je suis dans le Nether. Je vais aller t'en chercher vite fait. Écoute, ça fera un petit épisode aussi avec le Nether. Pourquoi pas? Ok. Ça peut être intéressant. Je vais juste prendre potion de résistance au feu. Je ne vais plus dans le Nether sans mes potions de résistance au feu. Je vais en prendre 3. Ah, parce que pour tout vous dire, au départ, on devait tourner chez Ocube et arriver là, Arion est toujours pas là, on l'attend. Ouais. Et on va le bifler, tu vois. Donc voyez-vous, entre-tente, hop, j'ai fini l'éclairage. J'ai fait des fenêtres ici. Entre-tente. Mais qui dit entre-tente, entre-tente. Non, mais depuis quand c'est une tente ? Nous sommes entre-tente. J'ai fini l'éclairage. Donc les torches dissidentes ont complètement sauté, hein. Il n'y a plus que les torches comme ça sur des bougeoirs et tout. J'ai fait les fenêtres, je vous montrerai dans l'épisode de dimanche comment elles sont de l'extérieur. Voilà, on va en profiter que Running Wild ait terminé sa chanson pour aller faire un tour dans le Nether. En passant par la grotte, on prendra autre chose comme bouffe, parce que ça, le poisson, c'est pour rester à la maison. Parce qu'il n'y a pas une saturation extraordinaire dans le poisson. Hop. Donc on va reposer notre poisson. Ce poisson, faut en manger souvent. On va poser ses torches aussi. Je vais poser là. Les lingots d'or. Hop. J'aurais pu poser la hache, mais bon, c'est pas bien grave. Bah alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui, Fred ? D'adblock, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Why not ? Dis-nous ce que tu as. Est-ce que tu l'as déjà ? Moi, je l'ai pas, personnellement. D'accord. Moi, je l'ai. Mais je l'utilise de façon correcte, c'est-à-dire que sur YouTube, je ne l'active pas. Mm-hmm. Ben moi, je l'ai pas et j'ai entendu dire, je pense que c'est vrai, hein, que ils étaient en train de négocier avec YouTube et Google, je crois. Donc que bientôt, en gros, AdBlock servirait à rien, quoi. Google. Parce qu'il laisserait passer certaines pubs au profit, donc de Google. Elle est bien par là, la forteresse, que je dise pas de conneries. Et parce que entre les ghasts qui me défoncent le Nether et moi qui est en train de faire le... Enfin, j'ai pas avancé sans vous, hein, sur le village de Danée. Mais on avait bien défoncé le Nether aussi. Donc va retrouver la forteresse dans tout ce bordel, toi. Ça, c'est le ghast qui a fait une belle coulée de lave. Hop là. Et je pense qu'elle est par là, la forteresse. Me semble-t-il. On va se perdre totalement. On va arriver, la cuisine sera finie. Oh. Eh oh, je m'appelle pas Schmitt. Hein. mais ouais, donc voilà, apparemment, ils sont en train de négocier pour laisser passer certaines pubs, donc... Oui. Elle est là-bas. Donc... À voir. Ça ne servira bientôt plus à rien. Elle est là-bas, il me semble que j'en avais une plus près. Écoutez, on va essayer, on se balade, une petite balade dans le Nether en même temps. Why not? J'ai des potions de résistance au feu, donc... Ouais, le mec, il commence à parler anglais, il dit why not, quoi. Il n'y a plus de respect aujourd'hui. Plus de respect. Il n'y a pas de table de craft. Ah, merde. Il y en avait une avant dans le salon. En fait, je l'avais prise en disant que je vais l'installer justement dans la cuisine pour Dani et je l'ai encore sur moi. Tu vois le mec intelligent, quoi. Il pense même pas à son pingouin qui lui customise sa maison. Si. Attends, je reviens. Non, c'est la dissidence. Bon, ben je reviens pas. Tu vas mourir. Non, bah, ça, d'ailleurs, si,
Si l'abonné de Danny qui lui a dit de me tuer au moment où je m'y attendais le moins regarde cette vidéo, sache que tu veux du mal à Danny, toi. Tu veux du mal à Danny, petit. Car s'il me tue, il la tue. Ça compte trois fois. Elle a bien été niquée, la forteresse. Ouais, depuis le temps que j'y étais pas venu, elle a bien été niquée, d'ailleurs. J'arrive. J'aurais bien fait un striptease. Quelqu'un a niqué la forteresse à côté de chez moi. C'est vachement sympa, avec des barrières volantes et tout. Alors que j'avais demandé de pas y toucher, mais bon. C'est la dissidence. Bon, mais écoutez, on va finir de la niquer, hein. Merci les amis, entre parenthèses, c'est une forteresse Tagaste que je voulais garder, mais je la garderai pas. Bon, c'est pas bien grave. On étendra le village des damnés jusqu'ici. Mais bon, les barrières volantes, j'aime pas trop les blocs volants. On va continuer de la niquer, écoutez. Du coup. Ça n'est pas bien grave. On a la forteresse qu'on a aménagée de toute façon, donc ça revient au même. Ah non, il recommence. Il est en train de manger. Je ne veux pas savoir ce que le pingouin mange. Brioche. Ouais, ouais. Je mange Super Brioche. Voilà. Tous les abonnés qui aiment bien Super Brioche, ben moi je le bouffe. Oh, il bouffe Super Brioche. D'ailleurs, elle est pas très bon. Enfin, pas très bon au niveau de la bouffe. Hein. Après, j'ai dit que sur YouTube, il était pas très bon. Tu sais que tu devras manger Rose Grim si tu manges Super Brioche. Ouais, je crois qu'ils sont en couple. Il me semble. Bah, chacun fait ce qu'il veut. Ah, j'ai rien dit. Je rigole pour le blanc qu'il y a eu. Parce qu'il y a eu un sacré blanc quand même. C'est le. Ah, je crois. Non, oh oui, parce que je n'en sais rien. Donc j'ai trois stacks de briques du Nether. Ça te suffira? Ça devrait largement suffire, oui. Tu auras vu là. Ton cuir. Tu cherches mon cul. Il est dans la grotte. Dans la la la. Dans la la la, oh, oh, oh li la la. Alors. Il est dans la grotte, là où il y avait la table d'enchante. Qui me tire dessus? Il est dans ton... T'es où? Bref. T'es où? Je t'ai vu, tu as tiré, donc tu m'as vu. Ça va, niveau cuir, t'es bien quand même, toi. Hein. Ça vient de là. Il est par là. En foire au sage, je l'ai vu. Tombé dans un trou. Mais tu ne mourras pas, Ragast. Tu ne mourras pas. Ah bah vas-y, fais demi-tour au moment où je tire. Tiens. On va aller voir s'ils ont... Tac. Je sais pas où il est tombé exactement. Il est tombé par là-bas, je vois son XP. Est-ce qu'il a pleuré? Est-ce que j'ai fait pleurer le Ghast? Maintenant, il me faut des portes. Quel type de porte on va prendre? Est-ce que j'ai fait pleurer le Ghast? Non, j'ai pas fait pleurer le Ghast. C'était un Ghast insensible. Laisse-moi, je peux tout expliquer. Bah quoi? Vas-y, explique-moi tout. Hop, je prends du chêne noir. Pour pouvoir faire des chaises. Parce que bien sûr, là, je ne fais pas la cuisine. Ouais.
On fait la salle à manger, la cuisine, il va falloir la préparer avant de la faire. D'ailleurs, on discutait d'ailleurs avec Arion hier, il y a un mode que, maintenant que c'est Microjang, hein, qui devrait se tirer, parce que l'1.9 promet d'être vraiment bien. Et il y a un mode donc, dont il devrait s'inspirer, c'est Bibliocraft. Où tu peux faire des chaises, des tables, des étagères, plein de trucs où tu peux poser les bouteilles et tout. Ça serait quand même pas mal. Ça serait quand même pas mal. Tu peux faire des vraies tables et tout. Tiens, il te donne. Tu voulais qu'un stack? Ah, ça suffit, hein, j'en avais besoin que de deux. Bon, moi. Tu prends un stack. Non, mais ça me servira de toute façon parce qu'il faut que je finisse. Je peux les remonter les autres à l'étage, alors? Du coup, ou tu veux que j'en garde ici? Oh, je vais en garder un stack sur moi, on sait jamais. Voilà, là, les fêtes déjà. Hop, je remonte là à l'étage. Vous voyez d'ailleurs les lumières, je commence à mettre des lumières pour virer les torches. Bon, il y aura toujours des torches avec dans des cadres un peu par là. Mais je commence à mettre des lumières en les remontant petit à petit comme ça. Ça fait assez sympa. Je trouve. Là, il y aura un lustre et là, il y aura la mer. Non, il y aura une fenêtre. Et je pense qu'il faudra commencer la salle des coffres pour finir de mettre les lumières de toute façon. Parce qu'il faudra adapter les lumières avec les coffres. On va poser les potions de résistance au feu maintenant qu'on n'est plus dans le Nether. Ne gardons pas l'inutile car après l'inventaire sera plein. Donc le débat était vite vite torché. En même temps, que veux-tu dire d'Adblock, hein, à part que ça bloque certaines choses sur YouTube, ça bloque les pubs tout simplement, et puis la pub, on en a besoin pour vivre, nous sur YouTube, ceux qui monétisent leurs vidéos, comme moi par exemple. Bon, même si je ne vis pas de YouTube et que les sous que je touche passent dans rien du tout parce que je touche que dalle. Maximum que j'ai gagné c'est 4€ et les 4€ sont passés dans un concours, hein, que j'ai fait gagner sur la chaîne, donc à pas dire que je fais rien gagner à mes abonnés. Et puis en même temps, ceux qui font « oui, mais j'étais pas là », eh ben t'avais qu'à être là. Ici, on va faire... Donc ici, pour ce qu'il aura pas compris, c'est un mini-bar. Hein. Ici, c'est une table. Ici, il faut une fenêtre. Il me fait peur, Fred, à mettre des musiques d'horreur. Non. C'est All Apologies de Nirvana. Tu veux une grande fenêtre, ça c'est le juste les vitres, il faut que je casse là pour mettre ce qu'il faut. Ce qu'il faut, mais qu'est-ce qu'il faut? Oh. Ah, les escaliers sont à l'étage, les vitres sont dehors. Ouais, c'est très très dispersé. Mais écoutez, ça nous permet de nous balader et de voir le magnifique paysage. Ah, tout est à l'étage. J'ai plus de vitres? Si. Si, ouf. Pardon. Oui, j'ai plus de vitres. Ça va, si. Donc, vous voyez le ciel qui est plus bleu, les nuages qui sont un petit peu plus beaux. J'ai un soleil rond. Je viens de te faire un meuble plutôt original. Ouais. Je vais à l'étage prendre les escaliers. Dans lequel tu pourras poser un pot de fleurs, des trucs comme ça. Franchement, il est classe. Mm-hmm. Je suis fier. Je vais venir voir ça. Hop. Tu as des pots de fleurs, je dois en avoir. Je sais pas où je les ai posés. En bas, peut-être. On va les prendre au passage. Ouais. Vous profitez de ma magnifique voix. Hop. Et il vous casse les oreilles. Nary. J'adore cette chanson. Aïe, 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 aïe.
Donc c'est sur l'album Unplug with Nirvana, le petit concert acoustique qu'ils avaient fait pour MTV. Et coucou. Oh oui, continue. Non, ça va pas. Non. C'est un fou. Oh, c'est un fou. Oh bah j'ai crash. Donc voilà. Il me tape et il crash. Comprenez quoi, vous ? Hein ? Vous comprenez quoi, vous ? Oh là là, obligé de redémarrer le jeu. Hop. Oh, aïe. N'importe quoi. Nope. Bah, du coup, j'entendrai plus la douce et belle musique. Ah, ouais. On est. Je suis totalement bugué dans le sol, je sais même pas si je suis mort. Je vais te dire ça. Non, normalement non, parce que ça n'a pas marqué que t'étais mort. Mais ta mère l'a pu. Il faudra Dany rentrer dans un Enderman, et apparemment les Enderman ont une vision assez spéciale. Enfin, Dany, avec son deuxième compte, évidemment, puis c'est des comptes spectateurs. Et apparemment les Enderman ont une vision assez spéciale. J'essaierai de vous montrer ça, peut-être en fin d'épisode et tout. Et ouais. J'étais obligé de c'est le seul pour pas glitcher. Parce que j'étais glitché dans ouais. Un truc. Ouais, non, mais. Il va me taper. D'accord, j'arrête. C'est désagréable à la fin, vous voyez. Et je bug encore, ça m'énerve, je lag. Genre, je peux aller taper Fred, ça le tapera même pas, quoi. Ça, on l'avait mis au début, c'est Halloween. Oh putain, je lag à mort. Je te tape bien, là. Tu me tapes. Roxane. Ah, moi, c'est Roxane. Non, moi c'est. C'est une chanson que Carion m'a fait découvrir celle-ci. Ah. Bah, je veux chanson pas qu'il me fasse découvrir de chanson. Hein. Vous voyez ce qu'écoutent Arion et Dany. Donc, voilà une magnifique table. Qui donne directement sur la fenêtre. Alors attends, ici on va pas mettre de. Et là, un énorme pénis. Tu vois ? Un énorme pénis. Il met des pénis dans ma maison. On met quoi comme fleur ? On met celle-là, coquelicot ? Allez, un petit coquelicot. Roxane. Ah, il va me falloir des feuilles de chêne. Et de la glowstone. De la glowstone, il y en a en haut, des feuilles de chêne, je sais pas s'il y en a. Attends, je mets les pots de fleurs. Nous montons. La table de craft aussi. Ah oui, je vais la poser à la table de craft. Je l'ai toujours sur moi d'ailleurs. La glowstone, je l'ai, les feuilles de sapin. Je vais prendre les feuilles de sapin. Ah non, c'est des dalles au truc inférieur, je ne peux pas mettre. Je vais aller t'en chercher. J'ai pas, mais j'ai les dalles de sapin, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, on peut peut-être les mettre ici, donc les fleurs. Oui. Oui. Pardon. Je vais mettre les deux pots de fleurs. Attends, je mets juste les fleurs dans les pots. Je vais te chercher de la glowstone. Vas-y, empote-moi. Je t'empote. Donc, vous voyez, les épisodes débat du mercredi, je trouve qu'ils tournent de plus en plus. L'épisode de la merde. Oh, voilà, la dissidence, on va dire. Ah, oh, mais en même temps, si vous proposiez des débats intelligents. Oh ! Peut-être. Oh ! Comme il est, le Dany ! Il propose des bons débats ! Ouais, mes couilles, tiens, Adblock, tu veux débattre sur quoi ? Hyper a déjà fait une vidéo dessus, après on va nous gueuler dessus qu'on a fait du plagiat. C'est vrai que, ouais, Hyper a fait une vidéo assez complète sur Adblock. Donc, que voulez-vous que nous fassions ? Pour Adblock, sérieusement. Mm-hmm. On baisse la culotte de ceux qui ont Adblock et on les. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Moi, personnellement, ça me fait rien puisque vu que je monétise pas, y a aucune pub. Vomis.
Merde, attends, je saute. Voilà. C'est... Moi, vu que je monétise pas, il n'y a pas de pub sur mes vidéos, donc... Moi, il y en a. D'ailleurs, n'hésite pas à cliquer sur les pubs, hein. Ça fera deux fois plus de thunes. Comme ça, je ferai gagner deux fois plus de concours. Non, le mec, quoi, il fait de la YouTube. Le mec. Mais je touche quasiment que dalle, quoi, donc... Il veut de la YouTube monnaie, le mec. Non, c'est pas la YouTube monnaie qui va me faire vivre, alors je m'entends pon le zizi contre la vitre. Voilà, regardez-le se tamponner le zizi contre la vitre, quoi. Après, c'est moi qui vais le laver. Vous pouvez apprécier la beauté de mon nouveau skin. Ouais, il est superbe. Faux cul. Il est superbe. Il a été fait par Fenzi. Il est moche. Il a été fait par Fenzi. Allez voir sa chaîne, hein, il y a le descriptif en vidéo. Je suis en train de réfléchir à comment attaquer. Ben moi, il m'avait fait un skin que je lui avais demandé. Et puis, je me suis dit que vous n'adopteriez peut-être pas ce skin. Puis, je me suis habitué à mon skin Jigsaw, que j'aime bien. Mais l'autre skin, je m'en servirai pour d'autres séries. Pourquoi pas pour d'autres trucs, ça peut être sympa. Tac, alors on va faire la technique du radin. Hop. Qui n'est autre que de foutre une glowstone en dessous d'un tapis. Pour faire un éclairage convenable. Voilà, nickel. J'essaye de vous trouver Tu sais ce que tu viens de mettre? Non. Hey, manchot, maintenant un an que tu t'es abo. Merde, je suis en train de spoil alors que la vidéo elle sort mercredi et moi, ma parodie sort samedi. Merde. Et voilà. Le chat. Attends, tu risques de m'entendre gueuler, mais je vais virer le chat derrière la télé parce qu'il vient de débrancher la télé. Moi, c'est Bad Moon Rising de Credence Clearwater Revival. Je m'approche du jukebox pour ne pas entendre le pingouin crier, parce qu'un pingouin qui crie, c'est atroce. Si, demandez à Brigitte Bardot. T'emmerdes! Bah, mais il dit que je crie, mais je l'entends du bout de la pièce, quoi. Heureux, c'est bon, j'ai viré le chat. Je t'entends en écho en plus dans mon casque. Ah. D'ailleurs, il y a ton téléphone qui vient de sonner, je crois. Non. Non? Ah, bah, c'était chez moi alors, super. Alors là, si je mets F3, est-ce que j'ai une lumière convenable? Je suis à 8. Alors attends, parce que ici, regarde ce qu'on va faire. On va faire la technique de la pute. Pardon. Ici, non, en dessous ce tapis là, voilà. On va mettre une glowstone. Ça va plus vite avec une hache, Michel. Ouais. Tac. Et on remet le tapis par-dessus. Et on remet le tapis. Comme ça, ça éclaire la zone. Hop là. C'est la technique de la pute. Alors. Qui dit ça comme ça, quoi, tranquille. Ici, on va mettre un cadre avec une petite. Et voilà, hein. Ok. C'est incompréhensible ce que je dis aujourd'hui, dis donc. Ouais, heureusement qu'on ne débat pas. Oh putain, je suis désolé. Donc là, ce grand trou là, c'est pour faire une descente qui mènera dans le big congélateur, donc la grotte. Je t'en prie. Qui sera transformé en big congélateur, c'est pour ça qu'on va. Non mais voilà, non, mais une bite de congélateur, quoi, le mec. Un big. Ouais, t'as dit bite. Le mec il dit bite congélateur. Oh la mauvaise foi du pingouin. Non, t'as dit bite. Non, big. T'as dit bite. J'ai dit big. Non, t'as dit. J'ai dit big. T'imagines... T'as dit bite hein, quand même. Non, mais j'ai dit big. Non, mais quand j'ai dit t'as dit bite. T'as dit bite, j'ai dit bite. T'as dit bite. J'ai dit bite. On l'a déjà écouté celle-là. Ouais, t'as 10 bits. Alors, qu'est-ce que je voulais du coup on dit des conneries. Et ça fait beaucoup de boules. Hein. Ça fait 20 boules. T'as 20 boules. Ah putain, c'est la dissidence aujourd'hui. Ah là là, plagiat, Bob Lennon. Plagiat. ta gueule. Voilà. Have you ever seen the rain? Moi j'ai là. Toujours de Credence Clearwater Revival.
Ouais, moi c'est Avicii, c'est The Day. Voilà, il a. Alors moi j'ai des beats, et il a envie de chier quand même. Hein. Mais non, j'ai pas envie de chier. Hop, ça c'est des petits tabourets, j'imagine. Oui. Hop. Donc on met rien sur les petits tabourets. Hein. Oui, oui. Hop. Voilà, on s'assoit. Un café. Un café, s'il vous plaît. Patron. Ça tombe bien, tu travailles chez l'or. Oh, la placement de produits. Oh, placement de produits. And you're talking on me. Pardon, je vais chanter, ça va être pas beau, vous allez pleurer. Bah ouais. Il va y avoir des meurtres. Alors, je vais me vider un peu. Si vous aussi, vous désirez un concert live du Pingouin, il sera en tournée dans toute la France. J'aimerais bien, t'imagines ? Je me ferais plein de monnaie. En direct, il pense à la thune. Oh, direct ! Plein de pognon. Je me ferais du pognon sous votre argent. Alors là, j'ai des sticks. Non, bien sûr, hein, je m'en fous de faire de la monnaie. Hein. Je le dis parce qu'il y en a, ils le prennent tout au premier degré, alors... Mm. Yeah, these are the days we won't regret. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas tous les disques. Il faudra que je me fasse tous les disques parce que... Ah ouais. C'est la violence ce cadre. Parce que évidemment j'ai mis des chansons sur tous les disques. Et donc eh ben faudra que je me fasse tous les disques. Donc on fera Oh, des... joli. Dimanche on fera peut-être un piège à Creeper. Qu'est-ce que t'en penses? Why not? Pour l'épisode de dimanche. Écoute, monsieur Laolès, on a une fenêtre. Il manque quelque chose. Hein. Ah! Les rideaux! Bah voilà! La dissidence, quoi! La dissidence complète. Il papote, mais il oublie les rideaux. Alors, est-ce que j'ai assez de laine? Là, j'ai de la laine noire. Il me semblait que j'en avais en haut de la laine noire aussi. On va essayer d'aller voir, sinon on ira tondre quelques. Non, dans la grotte, il me semble. Désolé, je vous fais faire des allers-retours. Fais les vomir. Et elles sont où les briques? Ah, elles sont là. Laine noire, une. Ouais, je suis riche, j'ai une laine noire. J'en ai sur moi si tu veux, j'en ai 56. Ah bah oui, je veux bien, ouais, du coup, pour faire des bannières, pour faire les rideaux. Alors hop, regarde, je vais faire des cup of tea. Tac et tac, voilà, on a des tasses de thé. Ah, attends, j'arrive. Si ça, c'est pas beau, les tasses de thé. Hop, hop. Comment t'as fait des cup of tea? Oh, des pots. Alors, elle a 1.9. Ah oui, ah oui, vomis-moi dessus. Ah oui. Ah. En plus, j'ai du lag, alors... Et donc... Je suis à combien de light? Et donc, que disais-je? À la... 10, 12, 12, 8, 8, 12, 10, 12, 12, 13, 14, 12, 12, 12, 12, 12, 8, 8, 12, 9, c'est bon. C'est bien éclairé. Ouais, sans torche? T'as enlevé toutes les torches? Ah bah nickel. Sans torche. Ouais, donc je disais à la 1.9, on devrait avoir l'apparition d'un tout nouveau bloc qui nous permettrait de faire des chemins. Donc, ça serait un bloc qui serait plus petit que les blocs, donc qui est comme la Soul Sand, il me semble. Et oui. Alors, est-ce que ce sera un bloc spawnable? On n'en sait rien. Pendant que le pingouin est buggé en mode et oui. Et oui. Et oui. Non, mais tout à fait. Alors, comment faire de la déco avec les blocs les plus pourris de Minecraft? On va tester ça. Hein. Je vous promets rien. Je vous promets pas une belle déco. Tac. Mais on va essayer. Putain, j'ai l'impression d'être Coluche. Hein. On vous promet pas les grands dinosaures, juste pour l'hiver, à manger et à boire. Je vous promets pas une déco exceptionnelle. Hop là, voilà, j'ai mis mais les... pour survivre. J'ai mis les rideaux. Alors, à savoir que les bannières ne se stackent pas toutes. Alors, est-ce que c'est un bug? C'est un bug, oui, je pense. Hein. Quand les bannières ne sont pas toutes faites dans le même lot, eh ben elles ne se stackent pas. Ça doit. Merde, j'ai mon bloc à sauter. Ça doit penser que c'est un autre bloc, un bloc à part. Je sais pas. C'est peut-être un bug de programmation.
Ta mère l'a... Pardon, excuse-moi. Oh, je dis des gros... Mojang a beaucoup de bugs de programmation. Faut espérer que Microjang remédiera à tout ça. Microjang 1.9 ou même 1.8, une nouvelle 1.8.2 par exemple. Tu me fais un truc pour les tableaux, puisque là je sais... Ah ouais, c'est ignoble. C'est ignoble. Ignoble les tableaux, ouais. Effectivement. Ah, nickel. Oh, c'est Pingu. Ben, moi, donc c'est oui, une tête de mort. Voilà. C'est une déco. Mais j'aurai bientôt mes tableaux à moi, hein, avec... T'en penses quoi? J'adore. Ah ouais, c'est pas mal, ouais, c'est génial. J'aime bien, moi. Enfin, personnellement, j'aime bien. Le pire, que c'est personnalisable. Oh. C'est personnalisable. Ah merde. Tu as ton verre. T'appuies sur les boutons. Tu ne sais pas où le poser. Hop. T'es assis, t'es derrière le mec du bar. Celui qui est en face veut te faire une farce. Et hop. Tu te la prends dans la gueule. Non mais c'est sympa. C'est les leviers font peut-être un peu tâche, mais je trouve que utiliser des leviers, ça fait un peu porte-manteau. Exactement. Ouais. Non, non, mais oui, c'est très bien. Et puis ouais. Même, c'est pareil, ça fait serveur de bière, et puis t'arrives là et du bois à travers le tuyau, quoi. Directement à la bouche. Carrément. Carrément. D'ailleurs, pour faire un effet de petites fleurs qui sortent, enfin de, tu sais, les petits parapluies là que tu as dans les... Ah oui, dans les cocktails. Quoi. Dans les cocktails, eh ben on va mettre une tulipe. Oh, tulipe. Et bim, voilà. Bon, c'est pas top non plus, mais ça peut être une paille. Bon, en même temps, quand tu regardes le contenu du verre, tu te dis putain, c'est du café qui a bien. Ou du chocolat chaud, on dirait du chocolat chaud. Viens voir dans les verres, on dirait du chocolat. Hop. Ou du sperme. Non, je déconne. Oh, oui, oh, le mec, oui, ça fait chocolat. Bon, écoutez, vous voulez des mots choquants? Les enfants de moins de 18 ans, bouchez-vous les oreilles. 3, 2, 1. Sperme, vagin. Anus, clitoris, phallus, nichon, chat, nichon, fellation, sodomie, anulingus, cunilingus, newport, red tube. Et puis voilà, hein, je pense que c'est bon. Vous pouvez vous déboucher les oreilles. Je viens de faire saturer mon micro. Oui, mais ça, je pense que ça va s'entendre dans la vidéo. Alors bonjour, ici le vol A346, nous sommes pour le départ de New York. Asseyez-vous bien dans vos sièges, nous allons décoller. Voilà, désolé. Mais qui s'éclate. Ah voilà la chanson que je voulais. Cherry Bomb, des Runaways. Ah, moi, c'est Lindsey Sterling, Rentable Rivals. Alors... Bon bah c'est nickel. D'ailleurs, allez écouter Lindsey Sterling. Moi je l'écoute depuis que Dani me l'a fait découvrir et elle est pas mal. Moi j'aime bien. Non, c'est moche. Cherry Bomb. I'm your wild girl. Et d'ailleurs, voilà. Oui. Mec, putain, je ne peux pas parler aujourd'hui. J'ai l'impression que je vais vomir. Je vais vomir. Donc, je ne vous dirai pas ce qu'il a eu dans la bouche hier. Hein, pour un... Oh bah, Fred. Oui, je suis au coin, je suis au coin. Alors, ici, à peu près là, au-dessus, il faudra faire une... là, au milieu, à peu près, voilà, au bout de table. À peu près au milieu, il faudra faire au-dessus un petit lustre, hein, pour ne pas laisser le plafond sans luminosité. Même si le plafond n'a pas besoin de luminosité. Nous allons nous en occuper. J'ai envie de dire que nous avons terminé le premier étage, le rez-de-chaussée. Hein. Ah bah non, il manque la cuisine. Il manquera la cuisine et la descente aux enfers. Dans le... Non, pas aux enfers. Hein, dans le bois de chêne noir, on va faire des planches. Dans le congélo. Ouais, moi non plus, je trouve que je ne trouve pas mes mots non plus. On est perturbé, mais qui nous perturbe? Il te reste de la glowstone en bas ou faut que j'aille en chercher? Normalement il en reste en bas, c'est bon. Hop, 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 hop. Des trappes, t'en as aussi ou pas? Des trappes là pour l'instant j'en ai, oui. Ouais, bah. Ah, attends.
Cherry Bomb. Tu devineras jamais où est-ce que j'ai atterri en faisant la descente de la cuisine. Je sais pas. Dans le portail? Non. Où ça? À l'entrée de la salle à effet du pingouin. Oh. Mais pile poil, hein. Quand je te dis pile poil, c'est bah parfait. Donc, on peut faire une descente par là. Tiens, viens voir, je vais te traiter. Alors attends, là, si je vais de là, ça va être... On va faire un lustre tout simple, hein, les enfants. Les enfants. Les enfants. Les amis. Voilà, on va simplement mettre une glowstone là avec les trappes d'or, parce que si j'étends un petit peu plus le lustre, à moins que... On tente, hein, on est là pour tenter, on n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour jouer dans la bonne humeur, je vais tenter... Oh, t'as une grosse queue, toi. Bah oui, t'as une belle queue. Bah oui, t'es toute douce. Bah oui... Il parle à sa queue toute douce. Mais non. Elle est toute douce. T'imagines le mec entre ses jambes. T'es grosse, toi. Bah oui, t'es grosse. Bah oui, alors, hein. Bah oui, ah bah énorme. Tu vas faire ton petit pipi. Oh, c'est dégueulasse. Oh putain, il va me faire chialer. Oh, c'est trop. J'arrive. Il me faut... pas, chérie. Tiens, viens voir. Alors, tu vois ici, tu descends. Et bim. Ah oui. Donc là, c'est ce qu'il y avait en. C'est ce qu'il y avait en salle des coffres qui va être donc redirigé vers le manoir. Et là, c'est la salle AFK du pingouin, hein, que nous avons pimpé. Que nous avons pimpé, mais bon, c'est vu que ça va être le congélo, ça va être détruit. Oh. Bon, je te la laisserai. Je te la laisserai. Michel. Reviens, Michel. Michel. Oh, Michel. Je te la laisserai. Tu aimes bien faire chier, Fred. Non, mais si tu veux, je te la laisserai, la salle du pingouin. Tiens, non. On en fera une autre dans la maison. On fera une salle cachée. On vous dira pas où. Enfin, si on sera obligé de vous le montrer, on ouais, il me faut cacher. Il me faudrait glowstone et les trappes. Qui descendra dans une tombe. La tombe du pingouin. Il me faudrait la glowstone et les trappes. Ouais, bah la glowstone et les tapes. Et les trappes. Ça sent où? Oui, elles sont là, les glowstones. Ça là. Les trappes, j'en ai sur moi. Ah oui, de toi. Parce qu'il y en a que 4 ici, il y en a en haut. Vole-moi, pardon. Donc il faut que j'aille en chercher en haut, c'est ça que t'es en train de me dire. Bah du bois, oui, on en a pas. Non, pas du bois, des trappes. Et donc vous voyez, mes chers amis, que la longueur de l'épisode continue, hein. Ça va faire bientôt 40-50 minutes qu'on en sort. Ouais. Ah ouais. On a commencé, il était 9h45, ça fait déjà 40 minutes au moins, si c'est pas plus. Ça va faire un épisode d'une heure avec la surprise de Fonzie. Donc oui, Fonzie m'a fait une petite surprise. Et au pire, Fred, on va le faire chier. Je vais vous montrer. On va le faire chier, Fred. Il va faire du montage. C'est-à-dire les moments pas intéressants, il les dégage, non? Non, pas du tout. Je garde tout. Ok, il veut pas se faire chier. Je garde tout. Il garde tout. Ah ouais, mais là, je pourrais pas mettre les trappes, si. Non, je pourrais pas mettre les trappes, là, parce que ça va prendre pour un bloc, c'est ça? Celui de Fred qui est touffu. Pardon. Je sais pas, je dis ça pour rigoler, bien sûr. C'est l'amour. Ah. Mour. Ah merde, j'aurais pu là, je voulais là. L'amour, on va s'aimer, on va baiser toute la nuit. La. Je voulais juste en rajouter une. Ça fait si j'en rajoute une? Et que je la mets au bout. Non mais que j'en rajoute une à tous les coins. Hein. Bien sûr. Pas qu'ici. Non. Non? Non, mais essaie de voir pour en mettre au pire, tu fais comme t'avais fait en haut. Plafonnier, c'est-à-dire... juste. Pourquoi je l'ai pas récupéré? Ah, c'est parce que c'est le lag.
Ouais, tu fais juste, tu sais, comme t'avais fait, genre. Et tu mets autour. Ça fait très bien comme lampe. Non? Là, t'en mets deux, puisque c'est au-dessus de la table. En plus, c'est au milieu de la table. La classe. Là, t'en mets deux. Faisons un plafond. Tu mets les trappes autour. Et ici, t'en remets deux. Ah merde, j'ai reposé une. Ouais, mais la deuxième, tu la verrais où, toi? Ah, je te le dirai après, là, mais déjà. Bah, la deuxième, là, t'en mets deux. La deuxième, tu la mets juste à côté, là. Comme ça, tu vois, là. Là, tu vois, là. Ouais. Là. Parce qu'il faut, il faut mettre, si tu veux les coller, il faut mettre les lampes avant de mettre les trappes. Ah, bah, bien sûr, tu les colles, ces deux-là. Mais les deux d'après, elles seront pas collées, t'inquiète pas. Donc, je vais mettre les trappes. Là, tu peux mettre les trappes. Tac. Et regardez, je vais apprendre quelque chose à Fred. Après, je vais aller chercher des tapis. On va faire la masse de tapis et je vais lui montrer une propriété de Minecraft qui est merveilleuse. On va faire la danse des tapis. Oh. C'est la danse des tapis. Et les deux autres, tu veux que je les mette où? Alors attends, j'arrive. On va refaire les tapis après, écoutez. D'ailleurs, là, écoutez, j'utilise beaucoup les trappes, mais je trouve que ça cache un peu l'effet glowstone. Les deux autres, ici, au-dessus de ma tête. Où ça exactement? Et ici. Et toi à côté de moi. Voilà, juste au-dessus de tête. Les deux. Là, au-dessus de moi aussi maintenant. Ah, donc elles sont collées. Elles sont collées. Les deux glowstone, oui, ils sont collés. Voilà. Comme ça fait deux lampes. Et donc moi, pendant ce temps, je fais les tapis. On va apprendre une propriété de Minecraft qui est merveilleuse. Alors, il me refaut des tapis. Donc là, il y a, voilà, 52 tapis rouges. C'est nickel. Alors Fred, viens avec. Enfin voilà, la 1.9 promet d'être quand même La 1.9 promet d'être pas mal, étant donné qu'ils veulent rajouter aussi que tu puisses faire plusieurs boss en même temps et que tu vois leur vie. Alors viens là, Fred. Ouais, et ils veulent aussi arranger l'intelligence des boss. Ils seront beaucoup plus durs à battre. Enfin, beaucoup, je sais pas. Ils veulent améliorer l'intelligence. T'es où? Dehors. Dehors. Ils veulent améliorer l'intelligence des boss. Je te donne. Donc la grande... Non, de l'autre côté. De l'autre côté. J'avais Regarde, perdu le pingouin. Je te laisse prendre tous ces tapis. Je te laisse prendre tous ces tapis. Oui. Et je te laisse monter le plus haut possible. En restant dessus? Oui. Bah oui, de toute façon. Oui, le Fred Laolès peut poser des questions, con. Si tu... Oui, Eh ben, je vais te cliquer après. Comme ça, en plus, tu vas pouvoir faire une vue de ton manoir et des modifications qu'on a apportées sur les fenêtres. Regarde les fenêtres. Tu vois, de là où t'es, tu peux regarder les fenêtres. J'ai comme l'impression qu'il va me tuer sans que je m'en rende compte, mais comme je vais m'en rendre compte, il ne pourra pas me tuer. Non, non. Mais non, ça va pas te tuer, Abouti. Et là, tu peux montrer les fenêtres, du coup. C'est ça qui est bien. Et donc là, priorité Minecraft, voilà. Quand tu enlèves un tapis, ça enlève tous les autres. Et donc du coup, il se casse la gueule. Et je ne suis pas mort parce que je m'attends. Mais je cherchais pas à te tuer. Tiens, regarde, je vais le faire aussi. Passe-moi les tapis. Tu vas voir, quand tu vas détruire le tapis du bas, quand je te dirai top, tu détruiras le tapis qui est au sol. Et tu vas voir, ça va détruire instantanément tous les autres tapis qui sont en l'air. Donc là, je monte. Voilà. Regardez aussi ce que j'ai fait à des petites lampes. Alors, elles sont... Elles ont l'air d'être à la même hauteur, mais elles ne le sont pas. Quand on les regarde d'ici, on voit qu'elle est plus longue qu'elle. Voilà. Monte pas trop haut quand même. Pourquoi? Bah parce que tu vas mourir. Ben non, je vais pas mourir. Je suis un thug life, moi. Tu vas mourir. C'est bon. Donc on enlève un tapis. Oh putain, je tombe. Aïe. Et donc voilà, c'est une priorité de Minecraft, une propriété de Minecraft que les gens ne connaissent peut-être pas forcément. Ouais, je savais pas, ouais. Ouais, donc tu vois, je t'ai appris quelque chose en essayant de te tuer et j'ai foiré. Donc. Et voilà. Parce que je m'y attendais, donc je suis pas monté tout en haut et je redescendais petit à petit. On va se quitter en Parce mangeant un bout. Voilà. Donc on se quitte en mangeant un bout. Eh ben, merci d'avoir regardé cet épisode. Hein. J'espère qu'il vous a plu.
J'ouvre la chaise. Je ferme la chaise. On a été plus. Ferme la chaise. En plus, il nous le fait en mode Jean-Pierre Foucault. J'ouvre la chaise. Je ferme la chaise. Bonjour, c'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre Foucault. J'ouvre la chaise. Je ferme la chaise. J'ouvre la chaise. Je peux te faire Mickey aussi. Enfin, si j'y arrive, attends. Oh, moi, c'est Mickey. Voilà, ouais, c'est voilà. Bon, vas-y, mets fin à l'épisode, c'est bon. Là. C'est insupportable, ça dure trop longtemps, les gens vont pas aimer. Ouais, ben j'espère que vous aurez que vous aurez aimé cet épisode. Bon, il a été un peu plus dissident que débat, hein, n'est-ce pas? Mais c'est pas bien grave et ça fait plaisir de temps en temps. Je te fous mon épée dans le nez, quoi. Pendant que le pingouin m'épète. Donc voilà. Est-ce que je mets... Je sais pas, je verrai. Peut-être que vous aurez... Je t'attraperai. Non, je dis je vais voir, mais ça a été bizarre parce que j'étais en train de réfléchir en même temps. Je t'attraperai. Je vais voir, peut-être que vous aurez un petit truc après, mais l'épisode a l'air assez long. Est-ce que je le mets? Je vais le mettre quand même, tant pis, si vous tenez jusqu'au bout de l'épisode. J'ai enregistré un petit truc. Des Smarties. J'ai enregistré un petit truc que je vais vous mettre quand même après, si vous tenez jusqu'à la fin de l'épisode. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je sais pas, je l'ai enregistré comme ça, sur le coup. Je savais pas si je le mettais, puis j'ai dit, bah si, vu que tu l'as enregistré, vas-y, mets-le. Tant pis. Donc voilà, vous aurez un petit truc après le bye-bye. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Et bisous filles, amitié aux gars. Et puis on se retrouve très très bientôt. Bye bye. Oh, pardon, oui. La dissidence du pingouin. La dissidence du pingouin. Mon cœur est fermé, bouclé, enchaîné. Il fut jadis torturé, humilié, piétiné. J'avais pourtant cru en l'amour, celui qui rime avec toujours. Mais je me suis lourdement trompé, et les conséquences, mon cœur a payé. Alors il s'est isolé, pour essayer de se réparer. Mais il n'a jamais cicatrisé. Du mauvais traitement infligé. Reclus, bâillonné, en pleurs, mon cœur connut alors la peur. Peur d'aimer, de se confier, peur d'être à nouveau molesté. Alors, il préféra s'emprisonner. Puis il jeta la clé. Il jeta tout l'amour qu'il contenait. Il ne voulait plus en entendre parler. Cet amour qui lui avait fait tant de mal n'avait plus qu'à pourrir à fond de cale. Il s'est tant bien que mal reconstitué, mais n'a jamais oublié, jamais cicatrisé. Car les blessures de l'amour marquent les cœurs pour toujours.